Moi, c'est Abdou, donc je suis le guitariste du groupe Jimawi Africa. Je suis aussi le manager du groupe. Le groupe vient d'Algérie, il a 12 ans d'existence, 3 albums, et puis très très content d'être au Maroc pour la deuxième fois. Le Maroc et l'Algérie, c'est considéré comme un seul pays. On a des frontières malheureusement qui sont fermées à cause des politiques, mais nous, on revendique toujours que le fait que ces frontières doivent être ouvertes, et pour l'instant, on prend des avions pour venir, mais j'espère que les prochaines fois, on viendra en voiture. Il vaut mieux pas s'aventurer à venir en voiture, donc l'avion, ça reste le seul moyen. Moi c'est Fethi Najem, je suis le violoniste du groupe. Donc voilà, je joue mandol, kora, violon. Moi je suis Lamari Amine, je joue la trompette et le ney et la flûte, percussion. C'est le chanteur guitariste du groupe et je joue du guembri. Guembri c'est un instrument un peu traditionnel qui vient du nord d'Afrique. D'un groupe de copains qui commence à jouer pour se faire plaisir dans un garage, je dirais, c'est une histoire très très banale. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des scènes. En fait, nous, on est arrivé un petit peu dans une période post-terrorisme en Algérie, donc c'était les débuts des années 2000, où il y avait vraiment un vide culturel, un vide musical, où les jeunes de notre génération, qui ont vécu aussi le terrorisme, avaient besoin de consommer local, si on veut. Et puis donc voilà, c'était un pur hasard, c'était une rencontre. Au début, c'était des gens qui habitaient le même quartier, qui commençaient à faire de la musique. Et voilà, ensuite le groupe a commencé à être connu en Algérie. On a enregistré notre premier disque, on a fait une tournée de 3 ans qui nous a emmené très 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 loin. Ensuite on a enchaîné sur les 2 autres albums, dont un album qui est complètement dédié aux collaborations, donc avec des artistes à travers le monde, donc il s'appelle Eshfa. Et ensuite en 2012 on enregistre le dernier album, Avancer de l'arrière, et avec lequel on continue à tourner. La nature a horreur du vide et on est venu combler un vide. Ensuite, il se trouve qu'on a pu être exportable dans d'autres pays. Il y a un message à travers la musique, parce qu'on chante en arabe principalement, donc quand on va jouer en Inde ou au Canada, les gens ne comprennent pas trop ce qu'on raconte, et qu'à travers le message universel de la musique, ça pouvait marcher. Donc voilà, on a visité pratiquement tous les continents et à chaque fois, ça se passe super bien. On gère tout de nous-mêmes, donc on fait la prod, on fait le booking, on fait la communication, on fait tout. Ça, c'est vraiment le manque, je pense, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais chez nous, il faut tout intégrer, parce que les métiers intermédiaires entre l'artiste et son public n'existent pas réellement. On commence à les voir aussi, ça commence à s'installer, mais pour l'instant, nous, on fait tout seul. Maintenant, on commence aussi à être connu en France, là, on revient d'une tournée en Europe, on sort un best-of en France qui va être distribué en physique, vu l'industrie du disque. Quand un distributeur s'intéresse à toi, un groupe qui est installé en Algérie pour te distribuer en France, ça c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi. Entre 2015 et 2016, on a fait beaucoup de marchés professionnels. Donc on a fait Visa for Music, on a fait Babel à Marseille, au Canada, Mondial Montréal, c'est un marché. On a fait Abidjan, le Massa, on a fait le Cameroun, le Colatier. Donc si tu veux, ces derniers temps, on a enchaîné les marchés professionnels. Et c'est vrai que c'est des vraies plateformes, c'est vrai que c'est des vrais tremplins. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé. Pour moi, maintenant, les réseaux sociaux, c'est très, très important. Par exemple, nous, je te donne un exemple. En Algérie, on n'a plus besoin de faire de radio, de télé, d'affichage et tout ça. Donc, quand on fait un concert, on l'annonce juste sur Facebook et c'est full. Donc, c'est un outil super important parce que là, on bypass plein d'étapes, plein de médias. Il faut juste envoyer un message. On a quand même une page fan qui a atteint les 100 000 fans. Donc, tu vois, quand tu as 100 000 fans, quand tu envoies un message, si tu as 10% ou 1% de fans, c'est déjà super. أنا حقي في الله ونبي
إذا كانت ليام دايمة بل عيشة نضي جري أنا حقي في الله ونبي الليلة الله هيا الكريم الله هيا المعبود الله الليلة الله أكيد رقم لنا أسمعنا والو رقم لنا ولا لا الليلة الله هيا الكريم الله هيا المعبود الله الليلة الله مالي يا ربي مالي مالي من دون الناس واحد في ملك وهاني لاش انا بيت عسال ضليت على مكناس او تما شيخي الغني ضليت على زرهون او تما شيخي مدفون سيد علي بن حمدوش ويا هرز الراس هيا للعيشة عيشة وعويشة ابو لاد الوديان شيد الداوي حالي